Tout le monde entend bien? Oh, c'est un plaisir d'avoir un micro tout neuf. Entendu. Je l'ai Prenez ressenti, vos c'est bon. couleurs. Ouais, mon père, toi aussi, hein? Ouais, mon perso, il gémit là. Ouais, moi je crois. Test radio. Voix claire. Je crois que je fais des trucs dans mon pantalon là. Bon. Ah, je crois que tu te Wow. touches là. On entend Wilco. Oui. Tu distribues le comment, le matos équitablement dans tous tes hommes, d'accord? Que ça soit Alors, je regarde ce qu'il y a. l'infanterie, sauf s'ils ont des. Attends, qu'est-ce qu'ils ont? Il n'y a que Goyaka qui a un lanceur. Moi, j'en prendrais un. Un C'est moi effet qui comme vais ça le quand je me prendre. touche, moi. Et hop. Je J'en fais pas des boîtes prends un. noires. Et équilibre aussi les chargeurs. T'es blessé? Ah non, j'ai regardé, je prends ma tension. Ah, ça doit être le reste de la nuit. Ça va être... Y a que moi qui m'entends en fait, je suppose. Ouais, je crois que toi et moi ensemble. Doudou, coupe le moteur. Ouais. Ça va être longué quoi. C'est 2 heures à faire des... En fait, le binôme du génie. On m'a de laté au-dessus. Ouais. Ça, vous avez encore la place de ah, prendre c'est les prendre chargeurs des leader bis que je vous laisse tranquille. Ah oui, il y a un taux dessus. Enfin, un métis. Médic, Ouais, ton survol la va vieille, fondre. tu as encore de la... J'ai pas entendu vos réponses. Ah, j'ai pas entendu la Ah, question, c'est non, bizarre, c'est mais... sûr. Quand C'est je fais cool. mes... Il y a deux sacs à dos. Les bords de mon C'est quoi écran ton sont rôle, toi, de flous, en base? fait. T'es Ouais, fusillé? FM. Pareil. D'accord. Donc t'as encore des chargeurs de PKM, de RPK que tu peux prendre. J'en ai vu qui traînaient. Vous deux, vous avez encore de la place sur votre barda? Je prends de la K64 Ouais, à la base, hein. je suis léger. D'accord. Ouais, mais tu vas avoir les chargeurs plus gros Oui, que le reste. impeccable. Tu me dis qu'il te reste de la place à coup? Ouais, moi je suis léger. D'accord. Vous pouvez prendre tous les deux un sac à dos. Ah oui, Le d'accord. SIG, Il me semble comme qu'il en reste en deux. Sparfel. Ouais. Sur le BMP2, Bon, là, je mais on sais n'avait plus pas de si sac à dos. naturellement on a la radio en Oui, interne tu pour as regardé s'il communiquer reste un tous sac les à dos trois pour toi aussi. ensemble. Je sais Ouais, plus. je sais plus, faut tester. Bon, vas-y, on va tester. Monte, Doudou. Alors. Je t'entends en radio. Ouais, pareil. Pareil pour J'ai plutôt le moi. chef de bord qui m'écoute. Ouais, bon. Ouais. Vous m'entendez? Ben, pas en radio. Pas en radio. Et tu veux qu'on mette quoi dans le sac à dos? Donc tu vas laisser le sac à dos, je vais le donner à la vieille pour qu'il ait plus de chargeurs de RPK là, avec plus de 30 chargeurs. Prends le RPG carrière. Oui. À Wilco? coup, attends 2 secondes Sylvain, je finis. Tu veux dire quoi Sylvain? Vas-y. Est-ce que tu Dis, as une allez. utilité si je te file deux radios? Non, Plus pas du tout. RPG carrière, tu Pas peux du tout? prendre Ok. Sylvain. À moins que tu aies une longue portée, dans ces cas-là on la prend et on sera sûr de pouvoir communiquer, mais sinon non. Non, parce que t'as deux. T'as deux. Ah ouais d'accord, ouais mais non mais on est de toute façon on est que tous les deux à avoir une radio en principe non? Ouais, mais j'en ai deux dans le BMP, donc sinon moi je vais l'attribuer à mes membres d'équipage Dans pour ces qu'on cas-là fais comme communique ça. plus facilement. Ok. Alors donc je répète, donc Nunko tu restes sans sac à dos, Aku tu prends des chargeurs, Sûr. tu prends la... T'en as combien de chargeurs là? Je vois pas. On a... J'en ai 9 plus 6 dans le sac. On a mis 6 dans Ouais, le sac. Doudou et Sparfel, vous prenez Ok. les radios là qui sont à l'intérieur. Très bien. On en Donc du avait coup déjà en fait. Ah, vous tu en seras avez porteur de déjà? munitions pour Ouais. ton binôme si besoin. Ok. Ok. La vieille, tu peux prendre un sac à dos. La vieille, tu m'entends? Ouais, j'ai pris le RPG carrière qu'il y avait. D'accord. T'as la place de mettre quelques chargeurs dans ton RPG carrière? Oui, il m'en reste. Ouais. Et il te reste encore un sac, hein, Wilco, hein, pour mettre Ouais, les charges je vais explosives voir et ça, ouais. tout. La vieille, tu peux te charger au full max sur les chargeurs à grande taille que tu as à l'intérieur, tu dois en avoir 5, Ah bah ça si, c'est t'aura des pris en fait. munitions. Hein. Pardon? Ils sont pris. Peux me permettre, on peut faire. Vous pouvez fouiller l'inventaire pendant le trajet. Hein. Ouais. Il a Ouais, raison. d'accord, on va faire ça.
Ouais, tout à bord. Reste Goyaka, il est en mode AFK. Non, je suis là. À quoi boire? Évidemment. C'est vrai que j'avais oublié que c'était de la merde. Je propose qu'on prenne les chargements en sacoche. La vieille à bord. Oui, la vieille Goya à bord. Goya, ok, ouais, à coup. Laisse radio pour à coup. Et c'est parfait là. Dungo. Ouais, à bord. Nanak. Parfait, à bord. Tout le monde est dedans, Wilco? Wilco, tout le monde est dans ton... ton équipage et dans mon char. On est tous dedans, mais Wilco répond pas. Wilco, tu me reçois? Mais vous m'entendez pas à la radio? Non. Pas de radio. Ça c'est bizarre par contre. Oui. Prends la radio à l'intérieur du véhicule. Doudou, vas-y. Tu suis l'itinéraire que je t'ai indiqué. Sparfel, tu te mets déjà en mode tireur. Non mais... la non mais ça marche pas la radio, moi je peux rien faire là. Non, je vais te l'ouvrir Dodo. C'est bizarre. Putain, c'est quoi ce bordel hein? Relance Acre. Merci. On se parfait à bord. À bord. SDV là, t'as l'œil. Ouais, mais y'a un viseur pour aller là-dessus. Hein. Bah, il marquait PSO dessus. Je suis allé au chemin de fer. Ah, ouais. Ah, Sylvain, bah, j'ai un problème, j'ai pas de radio, hein, ça marche pas. Tu veux que je teste, Wilco? Ouais, vas-y. Mais je vous entends en fait, mais vous m'entendez pas parler. Parfait, en intérieur tireur. Effet. Ce qui est étonnant, c'est qu'on t'entend pas à la voix non plus. Ouais, sinon, à coup, il fera la radio. Ça va être casse-bien si tu veux, parce que. Wilco? Oui. Tu es dans un sens, à coup, tu dis à Wilco, c'est ça, tu vas faire la radio, ça sera plus simple, parce que vu que nous, on va communiquer tout le temps avec Doudou et Sparfel, ça lui permettra de mieux réfléchir. Ok, Sparfel, je regarde ça. C'est dans Acre 2, je suppose. Ouais. Ouais, c'est ça, Doudou. Tu continues sur cette route et au niveau du virage, tu feras tout droit. Vous avez pas d'intercom? Ok, bien oui. Donc à partir de maintenant, on est en territoire ennemi. Pour essayer radio. Ouais, ça passe. Reçu. C'est bizarre, attends. Il pensait y avoir quelqu'un dans le truc rouge qui bouge. Je sais pas, je vois pas non plus. Bah ouais. Et la tourelle, mais je vois personne dans le. En fait, il faut que ma touche pour parler à la radio soit la même que pour parler sur TS, et ça c'est trop bizarre. Wow. Oh, ça me saoule. Bon, j'ai une radio en tout cas, si ça merde quoi. Non mais, on arrête là-dessus, la radio, basta. Pour un coup, je vais faire l'explosif. Ok.
Ouais, je m'étais exposé, là, je suis rentré. Ouais, parce que quand t'es exposé, je peux pas bouger la tourelle, hein, pour info. Ok, d'accord. C'est bon, on est arrêté. On reprend. C'est trop chelou, la tourelle fantôme, là. Pas évident en pleine forêt. Explose-toi hein, si t'as besoin pour l'instant. Wilco, tu m'entends? Oui. Il y a 16 kilos, donc si tu veux que je vois qu'il reste un rocket launcher, SVD, si ouais. Tu prends un rocket, tu prends un 72 A7 là. Okay. Après, tu peux prendre. Prendre quelques VOG 25 pour moi si besoin. VOG 25, ok. La vieille, t'as réussi à prendre quoi dans ton super sac à dos là? Alors pour info, j'ai tous les chargeurs qu'il y avait eu dans l'avant. Ouais. Donc les RPK et les AK. D'accord. En tout, je reçois. Tu as pris des rockets? Ça fait 4 chargeurs de RPK, 4 chargeurs d'AK. Plus sur moi. Pardon? 5 chargeurs de RPK et un chargeur d'AK. Ça fait 5, 9 et 5. Laisse-moi la K la vieille. Ouais. Laisse-moi la K, je les centralise. Et au niveau des. Du coup des roquettes, c'est pareil, t'as pris ce que tu pouvais. Attends, j'arrive pas à les sortir. Non, bah, j'ai pas pris de roquettes, mais je peux t'en prendre si tu veux. Ouais, tu peux en prendre pour ton RPG à côté. Enfin, ton pigeon. Okay. Essaye de prendre une PG7 VL juste déjà. Avant de redescendre cette nuit. Alors pour l'instant, je peux pas accéder. J'ai mon sac coincé sur mon siège. J'essaierai plus tard. Ok, donc quand on descendra tout à l'heure, tu essaieras de prendre une PG7 VL et une Airburst aussi. Moi j'ai deux VL et une Airburst. D'accord. On va tous avoir des roquettes dans mon sac. Vas-y, continue. Bizarre, moi je l'entends à la radio mais il peut pas m'entendre. C'est bon. C'est... Quand t'as parlé je t'entendais sur la radio. Oui mais en fait j'ai fallu que je bind la même touche que quand je parle sur TS pour la radio. Ça fonctionne pas là. Pardon? Ah ouais non ok d'accord. Que... En fait le problème c'est quand je parlais normalement je parlais à la radio quoi, c'est qu'un peu. Moi je sais pas, on verra tout à l'heure, mais ça me plaît pas trop ça comme problème. C'est pas grave, en attendant je suis calme. Calme pas, t'inquiète, ça va. On va trouver une solution. Ne stresse pas pour ça. Sinon la vieille essaie de refermer ton sac. Combien de roquettes dans le tube jaune c'est par celle, c'est deux. Pour info, la vieille, j'ai pris une thermobarique que j'ai dans mon sac. Tube jaune. D'accord. Voilà. C'est qu'il y a pris des VL. C'est moi qui ai réussi à mettre bien. T'as réussi à prendre ton sac. Je laisserai les câbles. Si te reste la place pour une roquette et que t'es pas trop lourd, tu peux en prendre une à ta convenance. Non, j'ai plus de place. Par contre, j'aurais bien pris des fumigènes. Ouais, vas-y, prends des fumigènes. Du coup t'as un lanceur toi aussi? Nope.
c'est qui a pris un lanceur tout à l'heure. On ira safe là. Moi c'est Dunko. D'accord. Oui, il reste bon. Une. Ouais. Ah, j'en ai deux déjà, merci. J'en ai deux aussi. Et j'en ai quatre sur lance-grenade. Pour la marche en forêt, on essaiera de faire reste, tu peux avancer. Un chevron. Ouais. Donc bleu, oui à la vieille, vous mettrez à ma gauche. À coup d'un coup en rouge, vous mettrez à ma droite. Dans là, tu te mettras entre nous. De toute façon je donnerai la marche à suivre, c'est moi qui faudra suivre pour avoir l'itinéraire, pour arriver sur le premier objectif qui sera monter sur le château. Pardon, monter sur le château. On prend des tirs, on prend des tirs sur le flanc droit. Ok, flanc droit. Si on doit descendre, messieurs, flanc gauche pour se protéger. Stop, on s'arrête. Ouais, on est bien. Un infanterie, vous sortez. Oh, ok, c'est... on sort, flanc gauche, on s'établit face au sud. Il y a beaucoup de forêt là. Pense un peu, c'est parfait. Ça vient de l'est, hein. Si vous voulez tirer, venez de l'est. Hein. Alors azimut 50 à côté à gauche de l'arbre. N'hésite pas à parler fort. On avance Dunko. Et je finis mon bandage. Pas de blessés chez vous. Bon, je te suis. Et on y va. Infanterie négatif, on avance en longeant la route vers le nord. Ok, vous allez nous servir de commande de guide à partir de maintenant. Donc l'itinéraire de A2 jusqu'à B1, ce sera vous les éclaireurs. La rentrée reçue. Wilco, tu reçois au moins la radio? Oui, je reçois la radio. Ok, je, c'est j'entends. Bleu sur ma gauche, rouge sur ma droite, on va avancer en ligne vers le contact. Tu peux lui dire ça à coup. On va partir sur un cap 060. Ok, de l'infanterie, leader. On voit fort, on n'entend pas. Ok, tu m'entends mieux là? Super, bon, je me mets en voix forte. Ok, mouvement sur le 060. On essaie de faire l'échelon, le chevron, pardon. Ok. Dites-moi quand vous êtes prêt. Rouge prêt. Prêt. Allez, go. L'infanterie, on avance vers le 060. Ok, bien pris. On est où là au fait? On est sur A2, c'est ça? Après A2, ouais, visiblement. D'accord, la route est sur l'avant là. Ok. Ok, contact, j'ai l'impression qu'il a été abattu. Ok,
d'avance. J'ai mal, je suis fatigué. Soyez prêts à engager. Vas-y Doudou, va tout droit, je te guide, hein, je suis exposé. Alors de coup avant. Ok, rouge 120, on bouge d'un côté, décalement droite. Décalement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bon, je suis à distance là. Comment ça se passe Du contact sur la 3. Ouais, je prends ton flanc droit si tu veux garder l'œil sur le but. RDM pas loin, attention. J'entends pas à cette distance. Sylvain, pour un coup, tu peux me localiser le BRDM? Bouge pas d'un coup. A priori, sur l'avant gauche, je te confirme. Ok, bien pris. Sur l'axe que tu es en train de regarder. Je suis avec toi. On va essayer de traiter. Ok, on a un RPG dessus, hein. On va essayer de le traiter. À coup, on a dit au commandant qu'on a perdu deux hommes. On n'est pas de risque, hein. Oh quoi? Ok, leader, on a déjà perdu deux hommes apparemment. Attention, je passe. Suivez-moi. Ok, bien pris. Suivez-moi. Ok. Et... on décale droite. Dis-lui qu'on décale à droite et qu'on essaie de contourner pour l'instant. Ok, on part sur le flanc gauche. Il part sur le flanc, ouais, t'as entendu. Merde, je reçois. Ok, BRDM ici, tu peux tirer Goya dès que tu peux. Reçu. Il est où là? Au... quel acte? 30, ok. 30. 30, reçu. Ouais, blast. Tu le vois? Viens à ma place là. Ah, sur ta droite, sur ta droite. Distance. 100 mètres. Le véhicule. Ah, mais ils l'ont vu. Ah, c'est bon, il est. Vas-y, avance, Doudou. Ouais, bon, il fait le torse. Ils finissent le. Merde, okay. Wilkwater. On a un contact qui s'est barré du véhicule sur gauche. Sur la couverture, Wilkwater. Ouais, je fais la couverture, je viens d'abattre un homme. Merde, c'est pour ça que je perds. Ok, d'un coup on a Wilkwater. Prends attention, connard. Je vais le bander, il veut pas me donner sa attention.
leader pour Akko. Ouais, j'ai Wilco à terre, j'arrive pas à prendre sa tension, mais je vois qu'il pisse le sang du bras, donc je le bande, je vais voir. T'as besoin d'un coup de main, Akko ? Non, non, sur la sécurité. Donc ça serait le troisième homme à terre ? Potentiellement. D'un coup, je suis sur le nord, nord-est. Ok, nous on fait de la recon, merde, on avance, donc restez là, une fois que c'est bon, tu me redis. À la radio. Et continue face à toi. J'ai Granac à côté qui était médic. Ouais, bah s'il était médic, ça va pas m'aider. Pourquoi je peux pas prendre sa tension, putain? Je pense qu'il est mort. C'était le dernier équipage. Ouais. Regarde si tu peux le connaissez. Si tu peux le porter, si tu peux pas le porter, c'est qu'il est mort. Ouais, ouais. On reste ici en stand-by et on check. Et Doudou, pour te guider, on part du principe que dans ta position, ça sera toujours le nord face avant de ton véhicule et je t'indiquerai les cibles potentielles. Fais chier. Yanko ? Ouais. Viens récupérer dans mon sac que je te mets une... Putain, mais ouais, mais c'est radio, les... Allez, je te mets une radio. C'est parti, on continue. Tout droit. 200 mètres. Attends. Merde, mais y'avait pas de radio, elle était buggée, sa radio. Ils soignent leur blessé. Il avait une radio... Non, mais j'ai que la mienne. Non, mais laisse tomber le diable. Ah si, c'est bon. Hop, tac, dans mon sac. Tiens. De Akko à leader, je répète, Wilco est décédé. Ok, bien pris. Le médic aussi. Tu continues sur notre axe, on ouvre. Ok, c'est bon, j'ai la radio. Jusqu'à la lisière de la forêt. Ok, il va nous falloir juste 10 secondes. Pas de gaspille, je pense au matos. Je pense qu'on va en avoir besoin vu qu'on est peu. Il y a un intérêt à ce que je prenne son sac. On reste là. C'était le mien, mais tu peux le prendre si tu veux. C'était léger. Est-ce que tu veux qu'on prenne un peu de matos médical? Je pense que ça ira. Il y en a dans le. Ah, tu veux dire. On a pas de trousse de soins, trousse chirurgicale dans le blindé. Ouais. T'es léger toi? Moi j'ai deux machins, je suis à 26 kilos. Tu me rases les trois herbes là qui sont juste à 1 mètre de toi sur ton flanc droit. Ok, il était où le médic? Il est un peu plus. Il est. Ouais. Il est sur à peu près sur le 310. Ok. Avec tout ce bordel, je sais même pas où il est parti le BMP. Flanc gauche, le BEP il est flanc droit, il est sur le sang. Ah, il est flanc droit. Il était au sommet de la crête là, au niveau du PTR, et il est parti sur la droite. Okay. Sur le sang. J'arrive. Ah, nickel, ici on est bien là. Arrête de jouer avec l'arme, Doudou. Bon, de la merde, je les trouve pas, ils sont dans les fougères. Allez, on va sur le BMP. Monsieur. Goya, t'ouvres d'un coup, tu fermes. Tu es le guide. Tu l'as vu partir. Accroupi, c'est bien. Marche. Ok, l'infanterie, on arrive sur vous. Vous êtes sur notre flanc droit, c'est ça? Ça se passe. On se met en mouvement vers vous. Vous étiez où sur notre flanc droit?
On a continué plein nord-est sur la commande ouais. Direction de B2, B1. Un écran de fumée. Et c'est 30. Où la fumée? C'est 30, ils sont 30. Goya? Ouais. On va en 40. On est en haut de commande, la crête au niveau de la route. Ouais, c'est bien reçu, mais moi j'étais dans le BMP, je sais pas où on est là exactement, où on était. Vas-y, on se lève. Alors actuellement, quand on a eu les combats, tu étais en A2, électrique. Et quand vous êtes arrêté, vous étiez juste à la lisière au niveau de la route, et nous on a continué tout droit. Ok, et on rejoint les arbres. Ok, reçu, on doit être à peu près en 0.48-110. Pavie numérique 9. Merde. Ah, vous avez parlé en même temps, mais vous dites la même chose, hein. Vous donnez des coordonnées. Ok, nous on arrive vers l'ouest de la colline 261. Ça va? Direct, tu prends une balle. Ok, vu, okay. On les voit, ils sont là. Ok, infanterie, leader, on est sur votre flanc droit. Ok, on remonte dans le taxi. Ok, on remonte à l'intérieur. Reçu. On a pris cher à la sortie. Hein. Premier engagement, bam. Ouais, j'aurais pas voulu sortir de là. Je t'ai brouillé avec moi. Je parlais RPG, ça allait. Ouais, je vais faire ça. Putain, je... Parfait, tu guides comment à mon coup tout jusqu'à B1. Où y'a bon. Ouais, il y a infanterie à bord. C'est parti. Route de tout. Là, je suis blessé au torse, je suis condamné à faire des bandages réguliers en fait, c'est ça? Putain, ouais. Je reste exposé. Ah, il y a deux soins, donc ouais, jusqu'à ce que... Ouais. Ouais, sur les routes, ça va encore. Peut-être que ça va se refermer, t'appeler à un moment. Bandé, ça serait ouf déjà. Ça fait déjà deux fois que je me rebande par-dessus et je vois maintenant, je suis marqué à perdu beaucoup de sang. Ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais avoir la tête. Prends-toi des bandages supplémentaires, Vodko, dans ouais, le ouais, c'est ce que je fais. Toi, elle est coincée derrière l'arbre. Ça fume un peu. Je vais un peu à gauche pour passer. Rallye la tourelle, comment? C'est parfait. Expose. N'hésite pas à t'exposer les deux parce que comme ça, au moins la tourelle elle reste alignée. Sylvain? Ouais. Alors, on n'est plus que 3 hommes, dont un assez fortement blessé. T'as perdu le médic? Ouais. Il arrive à marcher correctement ou c'est dur? Ah, c'est bon, je peux marcher. La côte, il faudra suivre la courbe de niveau sur la gauche. Ok, mais à coup, c'est bon, je bagarre. Ouais, bats-toi d'un coup. Bats-toi. Ils vont me laisser. À je l'intérieur. T'as encore un personnel, il y a un AT, hein, c'est ça, à coup. Ouais, on a un RPG. Ouais. Il a combien de réserves? T'as combien, Goya, de réserves en RPG? J'ai 2 VL et une HE. Ok. Marcel. Oui. AB1, je vais descendre avec les gars. Tu vas continuer. Ah, j'entends rien. J'ai dit AB1, comment je descendrai avec l'équipage. On utilisera l'itinéraire bis. On fait le plein, Goya.
continuer, l'objectif c'est d'aller sur, sur C2. Comment? Parce que au moins t'auras un angle de vue tirer, assez dégagé pour pouvoir traiter l'arrière du château. Tu peux pas tirer? Je vais pas tirer avec mon RPG parce que du coup j'allais tirer et c'est, c'est notre BTR qui l'a. Ouais, non, t'es pas mal. Là, je te prends une VL et une HE. Ok. Attends, je vais peut-être pouvoir voir des trucs depuis ici déjà. Tu peux te rentrer, Toto. Merci. Ah putain, attends. Est-ce que je peux acheter un truc? Dehors. Sur B1 là. Bon. Ouais, on est sur B1. L'infanterie là, vous écartez du BMP, sûr de pas vous faire écraser. Portez vers le comment. L'est, 100 mètres. Ok. Parfait. On part sur l'est, vous voyez. D'un coup, il a pas entendu, je crois. Ouais, non, je suis là. Il y a une radio d'un coup. C'est bon, je suis avec vous. Je prends le lead, d'accord. Alors les deux RPG là, vous évitez d'être ensemble en binôme. Aku, tu te mets, tu gardes comment Denko avec toi et Goya t'es avec moi, ok? Ok. Donc j'ouvre avec avec Goya. Vous restez en retrait, mais pas, vous me suivez pas en mode colonne. Vous décalez sur ma gauche, d'accord? Kedak. Comme ça, si on se fait engager, c'est nous qui tirons les tirs et vous traitez les menaces. On okay, restera en soutien. T'oublies juste pas qu'on a pas tous des radios. Mais si t'es avec Goya, c'est bon. Y a que toi qui a une radio. Denko et moi, on a une radio. Donc c'est bon, okay. Si t'es avec Goya. Bon bah, c'est nickel. Putain, va falloir la jouer très safe, hein. Ouais. Attendez, je regarde juste à peu près. Ah non, j'ai passé. Deux secondes. Pas mort le premier. Alors moi je fais 3 pas et il me faut un bandage. Donc il me reste 6 bandages, je peux faire 18. T'aurais dû prendre, t'as tout pris, tout ce qu'il y avait? Bah non, Allez go, on me suit. Okay. J'en ai laissé un okay. peu mais j'en ai pris. Voilà, t'aurais dû tout prendre. Allez, viens. Ouais. C'est bête, c'est pour refaire à gauche. Ah.
C'est chaud, t'as quoi comme blessure, tu sais? Bah, blessé au torse. Pris une bastos au moment où on descend du véhicule tout à l'heure. Et un décal gauche d'un coup. De leader, un véhicule, vous me recevez? Eh ouais, il y a ça aussi qui va être sympa. Merde, c'est qu'on va pas communiquer. Putain. Ah, c'est vraiment une mission de tueur. Ah non, on est vraiment censé rester à proximité du blindé. Hein. Ah bah on va y aller. Tout le monde est... Je suis obligé de faire une pause, hein. Je suis surchargé. Moi. Ah c'est pareil, hein. J'ai fini à pied là. Les... On est trop lourd. Tu me dis, hein, Denko, quand c'est bon, toi. Je remonte gentiment là. Ouais, moi aussi. Comme tu étais blessé, on n'est pas près d'arriver. Comme tu étais blessé, tu vas mettre un peu plus de temps d'un coup en plus. Tu vas te fatiguer plus vite. T'as un GPS non. À coup non. Rien du tout. Explosion. Explosion. Le VMP est en prise. Sur le 330. Je remonte. Je me fais un bandage et je suis bon. Allez, on remonte. 3, 2, 1, je suis bon. Regarde. Ouais, c'est avec toi. Leader, un véhicule, vous me recevez? Un véhicule, vous me recevez? On s'arrête ici. Il était derrière. Arrête de bord. On continue azimut 30. Ok. À coup, prends sur la gauche toi pour voir si tu vois quelque chose de l'autre côté. Bien, bien. Ok. Tu as pas réussi à les avoir à la radio donc tu vas pas te faire engager par nos. Dans les 320 par nos copains. Ouais mais tout à l'heure déjà ils les avaient pas à la radio alors. Parce que peut-être dans la panique quoi que. Leader, un véhicule, vous me recevez? Putain, je les ai pas. Tu vois quelque chose à coup? Négatif. En tout cas, on voit pas de fumée noire, donc ils doivent être encore en vie. Donc on reprend notre itinéraire direction le château, on se regroupe. Ok, reçu, mais sois pas si sûr, hein. Des fois les véhicules explosent pas systématiquement. Ouais mais de toute façon j'essaie de communiquer avec eux à la radio, il y a pas de trucs donc ils doivent être au-delà de la portée je pense et puis sinon bah s'ils sont détruits ils sont détruits. T'es parti à coup? Non je suis là, je suis avec mes jumelles. Quelquefois que... C'est bizarre cette histoire. On vous attend au niveau du petit bosquet. C'est bizarre cette histoire, bon allez on bouge. Thank you.
va ta blessure? Bah... ça se rouvre trop souvent en fait, c'est chiant. Putain, ça continue de se rouvrir, chier. J'aurais dû persévérer. Et prendre la trouve de soin. Chier. Je t'aurais recousu comme j'aurais pu, mais au moins je t'aurais recousu quoi. Ok, rien vu, mais pourtant ça aurait dû être dans les parages. Eh ben vous vous reposez et puis on repart. Donc c'est azimut 80 pour info. Cas où que vous vous perdez, vous restez sur cet axe. Ok. À coup. Ouais. Nous, on. Tu. Est-ce que tu ouvres ta carte? Ouais. On est ici là. D'accord. On voit la petite maison, elle est là, on est là. Donc on continue jusque là. Moi avec Goya on avance, d'accord? D'accord. Donc si on se perd, on n'arrive pas à se retrouver au niveau de la route, on se prendra comme point de repère la baraque ici. Ça marche. Ok? Ouais. Allez, c'est parti. Goya, c'est avec parti. Toi. Tu me dis quand t'es bon, Demko. Si t'as besoin de bandage, je t'en donne. Et Demko, je suis reposé. Ok, allez, on y va. Vers l'est. Hop, c'est parti. Putain, on a perdu un BMP, quoi, qui se balade dans la nature. Faire l'amour à moi-même depuis tout à l'heure là, c'est bizarre. On est tranquille hein, la descente hein, on a le temps hein. On essaie de garder toujours de l'énergie, on essaie pas de descendre sur la barre critique, on s'arrêtera si c'est le ça pour toi à coup, ok? Je conçois fluide au cas où qu'on se fait engager. Ok. Rien, on va un peu plus sur la gauche pour voir ce qu'il y a de l'autre côté là au cas où. Ça marche. Tu préviens quand ça devient orange d'un coup? À coup on prend cette la crête. Bah je suis rouge moi déjà. Vous mettez plus sur le flanc droit de cette crête et nous on sera du flanc gauche. C'est reçu, on va déjà faire une pause nous. Ok, bien pris. Tu me préviens quand tu repars. Ça va toi? Non, non, parfait. Ça va. Ah. Ouais, de Sylvain, je te reçois, c'est parfait. Les positions actuelles entre C1 et C2, quelle est votre position à vous? Ah ouais, ils sont partis. Tu me reçois, c'est parfait. De à coup, je répète la com de Sparfell. Ils sont positionnés entre C1 et C2. Entre C1 et C2. Ok, et comment ça se passe? Il y a visuel, contact ennemi ou pas? On est en train un BRDM assez loin sur Rogovo. Et là, on n'a pas de visuel, on est en train de manger la crête. Tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu, je parle avec lui maintenant. Donc t'essaies de te positionner sur C2, tu fais de l'observation, tu nous tiens informé si l'IMA 1 est safe et tu peux continuer ta progression si c'est le cas jusqu'à la lisière de H5. Tu me reçois? Ouais, c'est bien pris, est-ce que je peux avoir votre position actuelle, à vous? Notre position actuelle est en 057-100. Je répète, 057-100. Reçu? Négatif. Je répète.
répète, 057-100. 057-100, à vous. Ok, bonne nouvelle ça. Je vois un BMP dans la course. Vous me recevez? Il a confirmé. J'ai reçu. Ok, bien pris. Bon, c'est bon, on repart, tranquille. Bon, Dunko. Allez, go. C'est bon. Par un bandage. Prenez pas de risque, hein, véhicule. Pas d'un coup le château là-haut, c'est là-bas qu'on va. S'il te reste encore quelques gouttes de sang. On a aucune chance de se perdre. Hein. Ok. Le sud-est, tu te concentres sur ça comme en... à coup, ok? Nous on s'occupe de l'autre côté, on fait de l'observation. Terminé. Bon, ensuite. T'as le coup des jumelles. T'as vu, on avait un pseudo gage là sur le. En remontant un peu, tu peux voir ce qu'il y a dedans. Ouais, ça me rappelle des mauvais. Bien vu qu'il m'a choqué. J'espère que ça va pas être le même cas. On va partir les premiers à coup. Vous restez ici. Au cas où qu'on se fait engager, on compte sur vous. Reçu. Reçu. Je te dirai quand tu nous rejoindras. Ouais, je vois rien du tout. T'es pas censé tirer le BM21? Non, ils ont... Il l'a tiré ce matin. Ah. Il l'a tiré ce matin. Dommage. Pour le repérer, c'est pratique. Le leader véhicule, vous me recevez? Par contre, ouais, ils ont bougé leur BMD, leur BM21. On traverse la route, je répète, on traverse la route, on commence l'ascension jusqu'au château, à vous. Jusqu'à Zub. Le véhicule s'est bien pris, positionné actuellement sur C2. Oh, putain, déjà ça se trouve quoi. Vous m'avez reçu, véhicule? Oui, donc je disais que nous avons traversé la route et on commence l'ascension. Terminé. À coup, tu descends. On arrive. Arrive. Et donc, c'est bon pour véhicule. Je suis. Dès que possible, véhicule, faites votre chip prep. Terminé. Ouais, je suis là. On est bon. Ok, bien pris, vous avez pas eu de dommages, à vous. Négatif, on est en parfait état. Ok, vous continuez sur votre objectif en lisière de H5 et vous essayez de contrôler toute la zone de H5 jusqu'à H3 et H4, à vous. Véhicule bien pris. Si, si, il a reçu. Putain, pourquoi j'entends jamais son reçu? C'est un truc de fou. C'est les... c'est le relief, les coms. Ok, juste deux secondes de comment, de pause. Ok, tu prends le flanc gauche, Dunko? Ah ouais, ouais. Il paraît que t'es déjà dessus, de toute façon. Je reprends droit pour info. Okay.
merde. On reprend la montée. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Toujours azimut à peu près à 60-80. Baisse ton arme, tu vas te crever, Sylvain. Ah oui, merde. Enfin, sauf si tu veux être prêt au combat, ça dépend. De toute façon, j'ai la jauge pleine. Et vu que je suis en la touche C activée, à pas de risque. Et merci quand même. On s'écarte bien, hein, pas de comment on fait une sorte de ligne. Vous vous occupez du flanc gauche pour vous, bleu, et nous du flanc droit. Je vais me mettre sur la gauche pour te protéger d'un coup. Je vais te mettre sur ma droite. Tu le dis quand t'arrives dans l'orange. Ouais. Ok, on a le grade qui tire là, depuis Zub. Ouais, bien pris. De leader à équipage, vous me recevez? Pas de retour du BMP. On continue à la montée. Allez, on est reparti. Ok, on est reparti. De leader à véhicule, vous me recevez? Ah, ça doit merder dans la forêt. Top. Gauche là. À part partir de quand on avance 10 mètres. Moi et Goli on avance. Ici. Allez Goya, c'est parti. Ouais. Il est reparti d'un coup. Oh, il y a un tir de grenade qui est parti ouais. Là. C'est pas pour nous. Pas sûr. À peu près 300 mètres. De leader à véhicule, vous me recevez? À coup, tu risques d'avoir des contacts sur ton flanc gauche. Ok, on engage. Ouais, ouais. On est à 300 mètres des rochers. Je répète, 300 mètres des rochers. Ok, à la rigueur, on garde le flanc gauche avancé. Ah, ils ont grave avancé. À coup, tu recolles sur nous là, il y a possibilité de rentrer dans le château sans se faire opérer. C'est parti. Demko, viens, flanc droit. Hein? Flanc droit, viens. Flanc droit, ok. Putain, fais chier, ça s'est rouvert. Je me cale dans le sapin qui est sur eux. Vas-y. Je déteste ce château. Ah,
Chef, c'est un château de pute, je mettrais bien des grenades dedans. Tu te rapproches au niveau des rochers là, on va se rapprocher le plus possible et on balancera des grenades de l'autre côté. On est là, on est là, on est là. On est là, mais au lance-grenade, on peut le faire d'ici quoi. Juste mettre une, c'est tout. Et je suis bon, je suis bandé. Ah, bougez pas, attention, je tire. Ok, yeah, paye ton truc. C'est vrai, j'avais oublié les armes, c'est de la merde. Non, ça marche bien. Où ? Bah ouais. Je croyais que ça allait faire quoi ? Ça dit la palme. Non, non, mais il a entendu qu'une détonation. Ah eh ouais. Oui, c'est. Ah, l'autre, elle a dû passer au-dessus, peut-être. Ouais. Il y a un sniper qui est dans le coin là. Ouais, il y a un truc là, mais. Oh, Goya, on se dirige sur les rochers là, l'ouverture juste à gauche en azimut 80. Ouais, vous nous couvrez ici à coup et dès qu'on est safe, vous nous rejoignez. Ok. Tranquille, Goya, okay. On perd pas de temps. Ah, j'ai bien entendu une détonation, mais le mec il est isolé quoi. À coup, t'as réussi à prendre contact avec le véhicule ? Négatif. Infanterie véhicule, MP. Ça répond pas. Vous pouvez nous rejoindre. On y va. On coupe complètement le vocal. On parle que en radio. Répète plusieurs contacts, écho. Ok. Allez, c'est parti, on avance. Ouais, bon, bon endroit. Envoyer de l'agro là, non ? Non, 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 mettez-vous sur le plan droit. Bon. Yeah. Oh putain ! À coup, ouais. Tu m'entends ? Ouais. Il est à terre. Ah putain! Putain! Il est mort? Un côté là? Ouais, 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 je suis légèrement dans le désert sur ta droite. Okay. Chier! L'infanterie à BMP. Oh putain, c'est le moment d'être héroïque, les gars! Bah, moi je joue en noir et blanc donc. Ça va très bien avec l'héroïsme. Ça fait classe quoi. Y avait quoi de votre côté, Goya ? Y'a un mec, mais je sais pas comment il a fait pour là-bas, je le vois pas le mec. T'as de la frag ? À main ? Est-ce que j'ai de la frag ? Fais voir. Ouais, j'ai de la frag. Vas-y, arrose. Reçu. Attention, frag. Ouais. Ouh putain ! Putain, j'ai fait trop loin, j'ai fait trop près, bordel de merde. Ça va, Dunko ? Ouais, ouais. Attends deux secondes. À coup, je crois que je vais faire la même parce que t'as une petite entrée là, t'as un Porsche. Lance loin parce que. À côté de toi. Ok, Dunko, attends. Tu vises bien avec le système de visée. Hein. Ah, ouais, c'est ce que attention, je fais. Attention, Dunko. Ok, tu peux y aller, Dunko. C'est jeté. Allons, chef. Ok, bien joué. Ok, parfait. Goya, tu maintiens, on va essayer de sneaker par la droite pour voir. Reçu, je maintiens à gauche. Bah, Dunko, vu que t'es moché, ah, écoute, t'es pas bon pour. Ouais, peut-être qu'il est avec toi, moi ça va. Ouais, 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 il est avec moi. Et on peut peut-être récupérer le. Et je suis avec toi.
Goya, prends la radio de Sylvain. Reçu. Ok, alors. Pierre, parce que t'as une entrée. Et je regarde si on a à droite là. Il y en a pas. Faut pas que ça tire, fais gaffe. Grenade, il a acheté quelque chose. Attention, grenade. C'est bon, c'est une fumée, je pense. Je pense que l'audio qu'on entend, c'est dans ouais. La pièce qu'il y a là. Tu peux jeter une grenade dedans ou pas? Ouais, je vais faire la même. Ok, il y avait un mec au pied du camion, Goya. Pas sûr. Ok, c'est dedans. Allez, on va vérifier ton boulot. Toi, tu tiens l'avant et moi, j'ouvre. Tu restes en arrière. Ok. Est-ce que tu veux que j'avance en même temps? Putain, merde! Bordel, dernière balle. Il y en a un mec sur la droite. Vous êtes échangé un coup de feu. Comment t'as fait pour... Comment il a fait pour pas se prendre un shrapnel, lui? Ah, je pense qu'il est dans l'angle, sa langue protégée, en fait. Ok, on va arriver sur ton flanc droit, Goya. Tu maintiens ton coin? Reçu, je maintiens. Véhicule, je vous ai écouté. On est au sud-ouest du château, au niveau des murs. Attention, mec sur le sud, il vient d'abattre Dunko. Putain, fils de... Frac sur le sud. Ok Goya, attention, on a des contacts sur le sud, essaie de voir si tu peux longer le mur là pour venir me rejoindre par ton avant droite là. Au sud, je te rejoins par le sud-est. Je suis sous la voûte là. Avec toi. Putain, ok. Donc il y avait des mecs au sud. D'un coup, ils viennent mourir juste là. Fais chier. Ok. J'ai les charges. Il y a peut-être moyen qu'on se dépêche de faire sauter cette merde là. On est plus que deux. Attends, mais il y a le char aussi. Hein. Il y a un char? Bah, il y a notre blindé à nous. Bah, pas de nouvelles jusqu'à maintenant donc. Si, j'ai eu des nouvelles. Ah ouais? Alors vas-y, ça racontait quoi? Ouais. Bah, il m'a demandé où on était. Et eux, apparemment, ils sont au nord-est du château. Infanterie pour blinder, à vous. Ouais. Là, je les ai plus là. Voilà. Oh. Ah, c'est toi. T'as encore des grenades à main? Je vais te dire. Voilà, sur le sac à dunk. Ouais, sinon. Affirmatif. Ok, tu m'en balances une sur l'azimut en haut, sur l'azimut 90. Fais attention, il y a un ennemi. 90, reçu. Bon, ça. Ok. Grenade. Ok, planque-toi. J'en balance une sur la tour, planque-toi. Planqué. Allonge-toi, j'en balance une sur le grade aussi, vu qu'il y avait un mec à ses pieds. Ça pue la couille, ça. Infanterie pour blinder, vous me recevez, à vous. Greu. Ça va? J'entends. Viens, on recule vers le sud, viens!
Ok. Ça pétait fort. Ok. Et t'es sûr que c'est ça le BM21? Ça me paraît bizarre. Si, c'est ça, c'est un grade. Ah! Oya, t'es mort? Putain! Chasse! Infanterie à BMP! Oh putain, t'as bien l'air mort. Oh bordel, faut que j'enlève le BMP. Avec un grade? Ouais, ouais, avec un. Tente le tout pour le tout. Juste là. Infanterie pour BMP. Entrée de véhicule. Ah, le véhicule, je vous reçois, vous me recevez? BMP, vous me recevez? Ah merde! Ah putain, c'est con! Alors, ouais. Ça y est, le véhicule il se met dessus. Ah bah non, il repart en arrière. Oh, fais chier! Putain, les fils de pu! C'est dommage, hein? T'en avais un sur le toit, t'en avais un sur le toit, t'en avais un à côté du BM21. Ah, mais et t'en avais un à droite. Ouais. Il y en avait partout là, donc ouais, j'ai tenté le tout pour le tout là. Je voulais rusher et avoir un contact avec le véhicule. Je les ai reçus, mais ils me recevaient pas. Chier. Pff, au moins le grade il est pété. Mm. Ouais, mais eux ils le savent pas. Ouais, mais il est pété. Avec une grenade, il a pété en plus. Si ça, c'est de munitions. Ah, y'a de la petite infanterie qui arrive là. Dans l'entrée du Val. Oula, oula, oula. What? Oh, hein? Vous êtes pris un tir d'artillerie? Ah, y'a eu 3 tirs. Ouais, c'était sur l'avant droit du véhicule. Dans les bois là? Ouais. Ouais, il était à. Ah ouais putain le nid frelon. Ah, ça va être compliqué là. Ah d'accord, ouais. Et voilà. Ah, le pauvre Denko, il aurait dû partir de l'autre côté. C'est un enfer hein. Bon bah on va s'avancer. Ouais. T'es passé juste à côté d'un véhicule, pas un qui était vraiment en mesure de t'exposer en un coup. Il est juste derrière, à ton ancienne position. Ouais, le BMP là. Ouais. En fait, ouais, vous êtes.
Bah oui, avec la vision tunnel qu'on a là-dedans, c'est pas évident. Puis en fait, je pouvais pas m'exposer parce qu'on se fait tirer dessus quand on était exposé. Putain, le BMP qui nous arrive dans le cul. C'est la première fois qu'on perd le BMP. Ah ouais? Ouais. À chaque fois qu'on l'a joué, on a conservé le BMP, mais on a jamais réussi à faire le grade. Le problème, c'est que le truc il est détruit et faut rentrer quoi. Et là, à pied, ça va être long. Hein. Ah, mais vous êtes tous morts en fait. Ouais, tous morts. Ok. Oui, enfin, par dodo, mais ok. J'ai essayé de communiquer avec toi là, il y a encore quelques heures, il y a 2 minutes. Je suis mort il y a 2 minutes. Quoi. Ouais, bah. Les coms étaient vraiment mauvaises. Hein. Ouais, carrément. Moi je t'entendais, mais tu vois pas. Doudou il a survécu, je sais pas comment il a fait. Mais là il est, t'es plein de monde hein. Il est là, il vient de se faire deux patrouilles. La patrouille qui vous a détruit le BMP. Et une autre patrouille qui était dans la forêt là. Et là il va faire le château là, c'est Terminator. Oh putain, il y a le... Ah, mais qui c'est qui fait de... Inéritable. Il y a le bonjour de football. Ah! Ah, mais c'est quoi qui fait? Ouais, c'est toi, t'as pas loin. Ah, ça y est! Ah, j'ai le dernier! La tenacité!